Et salut les pions à toi, c'est le moment d'apprendre, c'est le Titanic. Et bonjour, le moment d'apprendre, c'est le moment d'apprendre. Aujourd'hui, c'était ce matin vers, non c'était vers hier, dans la nuit de... Du 14 au 15 avril, une tragédie s'est passée dans l'Atlantique. Bon, je vous explique. 1912, le 15 le Titanic, 1912. Vous connaissez le Titanic? Si vous voulez, je vous mets une petite photo ici du Titanic. Le Titanic est le plus majestueux de tous les bateaux et le plus grand paquebot de son époque. Il pouvait transporter 2223 personnes. Il avait des chambres de première classe, deuxième classe, troisième classe. Il avait plusieurs restaurants et un restaurant sur balcon. Il compose d'un terrain de tennis, une piscine et une salle de gymnase. Il avait un escalier, un ascenseur. C'est une seule cheminée qui marchait sur le Titanic. Voici la photo du Titanic. Vous connaissez, donc je l'ai mis. Je vais vous mettre là. Le moment qui coule. Ah non, c'est le 14. Il a coulé le 14 avril. Le 15 avril 19. Non, 14 avril à VR. En fait, il a commencé à couler et il a tiré le... il a touché le fond à 2h du matin. Alors, je vous lis comme une... Il a coulé le 14 avril 1912 à 23h40. Il a mis 2h pour couler. Il avait percuté un iceberg. L'iceberg. Le commençait à rentrer dans la salle des machines. Puis une heure. Plus tard, il se brise en deux et la poupe finit de couler comme à la fin du film Titanic. Comme ça. Il se brise, je vous mets une photo du Titanic qui se brise et qui coule. Il repose au fond de l'océan Atlantique. La poupe et la poupe, je vous mets une image à poupe et de la poupe du Titanic. Sont séparés de 600 mètres. De 600 mètres. Chaque des séparés de 600 mètres. En fait, il y a 600. La proue et de l'autre, il y a la marée. En 2030, l'épave n'existera plus. Il ne restera plus rien. Il y a eu 1500 personnes mortes dans cette. De mort dedans et sans compter Jack Titanic, c'est le film, sans compter Jack. Mais il y avait une Rose dans Titanic, pas Rose dans le film, il y avait une Rosa. Alors je vous mets une photo du capitaine Edward Smith. Il était le pilote piloté par le capitaine Edward Smith. L'épave du Titanic est la plus connue dans le monde. Elle est proche d'une île de Terre-Neuve. Voici une photo de l'épave du Titanic. Ça me choque quand je le vois comme ça. C'est trop choquant. Quand il était majestueux comme ça, là. Maintenant comme ça. C'est tragique. C'est trop triste. Donc après est-ce que je voulais vous dire il avait un frère et il avait deux autres il avait des jumeaux, le Titanic. Il y avait l'Olympique et le Britannique.
Ils étaient trois bateaux de la Blue Star Line, de la Star Line, Star Line. Voilà. Donc voilà. Et le film Titanic, c'est un très très bon film. Jack Cameron, très bon acteur. Il est au fond de l'eau en ce moment. Le moment d'apprendre. Donc ce soir je ferai une autre vidéo sur notre bain. Je la mettrai dans le moment. Donc like, yes, partagez, abonnez-vous. Insta, TikTok. Et la petite cloche, j'ai oublié la petite cloche, j'ai oublié tout le temps. Donc je vous laisse des images du Titanic. Une vidéo du Titanic. Qui coule. Donc ciao. À ce soir. True.